Là, on va pour un des programmes que nous avons initié, qui concerne le soutien au football féminin en Irak. La question du sport pour les femmes ici est un sujet, un enjeu sociétal. Dans cette société qui essaye de sortir de décennies de conflits et de crises, reconstruire, ce n'est pas simplement reconstruire des bâtiments. C'est offrir la possibilité de se réouvrir au monde. Et tout ce qu'on peut essayer d'offrir comme fenêtre d'ouverture à autre chose, je crois, est très bien accueilli, et c'est ce sur quoi on insiste. Ça peut être un peu surprenant de voir un ambassadeur de France être ici à Clairefontaine, au Centre National du Football, jouer avec des jeunes femmes. Vraiment, moi je suis extrêmement heureux parce que je vois des jeunes filles, des jeunes femmes, qui pour la plupart n'ont vécu dans leur vie que des périodes de conflits et de crises, manifester cette joie, ce désir de vivre simplement leur passion. Il y a à peu près 200 jeunes footballeuses qui sont intégrées dans ce programme, mais on a aussi une formation des arbitres, une formation des encadrantes et des encadrants, une formation des responsables de la fédération. L'idée, c'est évidemment de s'inscrire dans le moyen et long terme. C'est de se dire que les graines que nous semons aujourd'hui, avec ce premier programme, peut-être que durablement, ça va permettre que les femmes en Irak, parmi les différentes perspectives qu'elles peuvent avoir, il y a la possibilité de pratiquer le sport, y compris à haut niveau. Je m'appelle Sonia Saïdou Issa, de Shingal, de l'Irak. Je suis maintenant dans le Moukhayem Mamrachan, au Kurdistan. بالطبع كلنا نريد أن عندما نلعب أو نهدف إلى شيء ما نريد تحقيقه فبالطبع أريد أن أنضم للعديد من الفرق الجيدة أو لفريق جيد وبالطبع أولهم المنتخب العراقي لكرة القدم النسائية الطموحات كلنا نحتاج أن نطمح إلى شيء ما ولكن عندما في 2014 جرت علينا حرب التي حاربوا علينا داعش في 3/8/2014 فالكثير من النساء والأطفال والآباء والأمهات قتلوهم وذبحوهم فهذا كان شيء غير جيد بالنسبة لنا و كان ذلك حزينا جدا ونريد أن نحقق أحلام كل الأطفال الذين راحوا